Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est présentement mercredi soir, donc il est 5h30 et j'ai terminé de m'entraîner. J'ai pris ma douche, donc la routine de semaine, rien de nouveau. Puis aujourd'hui, j'étais en télétravail, même chose demain et vendredi, fait que pour vrai, love that. On dirait que la semaine est vraiment moins longue jusqu'à présent, on est déjà jeudi demain, puis comme... Pour vrai, travailler à la maison, c'est tellement plus relax. Je suis comme autant, voire des fois plus productif, on dirait, chez nous. Parce qu'il n'y a pas comme personne qui me dérange, il n'y a pas de bruit autour. Je suis comme tout seul dans mes affaires. Puis c'est aussi plus relax, je peux rester en pyjama, vraiment chiller. Je me lève plus tard aussi. Fait que j'aime bien ça. Là, petits chats qui sont ici. Vous faites quoi? T'es en train de laver ton frère, toi? Hein? Ils ont passé l'après-midi là-dedans, fait qu'ils vont vraiment être des bonnes plaies sous peu. Dans le fond, c'est leur première nuit ici hier, parce que je les ai eu hier soir. Puis ils ont dormi une bonne partie de la nuit avec moi au pied du lit. Puis après ça, ils sont allés comme entre mon lit et le mur ici là. Entre mon matelas et mon lit, il y a une minuscule craque. Puis quand je me suis levé ce matin, ils étaient couchés là, les deux, toutes collées. Vraiment bien. Fait comme ils ont vraiment pas été tannants, je les ai pas entendus de la nuit. Je pense que le fait d'en avoir deux, ça aide aussi. Parce que là, tu sais, quand on a juste un, des fois, il cherche sa mère, il cherche ses frères. Mais là, tu sais, ils cherchent pas vraiment plus qu'il faut parce qu'ils sont tout le temps les deux ensemble. Ils se sont levés ce matin en même temps que moi. Ils ont joué une partie de l'avant-midi, ils ont dormi, ils ont joué, ils ont dormi. Mais pour vrai, ils ont passé l'après-midi dans le petit lit, dans l'arbacha, fait que c'est sûr qu'ils vont être des bonnes plaies. Là aussi, aujourd'hui, j'ai reçu ma litière que je m'étais achetée sur Amazon. J'avais acheté une litière comme fermée pour pas que ça sente. Pour l'instant, j'ai pas encore senti la litière, mais tu sais, ça fait même pas 24 heures qu'ils sont là, fait que c'est un peu normal. Mais c'est ça, à la base, la litière était supposée arriver lundi, puis est arrivée aujourd'hui, fait qu'il y a comme un 2 jours de retard. Mais comme hier, ça me disait que c'était en retard, puis que ça devait arriver aujourd'hui ou au plus tard demain. Fait que vraiment pas la fin du monde. Moi, je vais appeler premièrement ma mère qui voulait que je la FaceTime pour voir les chats. Ils m'ont FaceTimé 3 fois hier, elle puis ma soeur. Ils m'ont FaceTimé ce matin, puis là, elle fait encore que je la FaceTime, bien évidemment, pour voir les petits chats. Fait que je vais faire ça à l'instant. Puis il y a aussi Malou qui voulait que je l'appelle. Elle m'a dit qu'elle avait du tea à me compter. Fait que ça, c'est vraiment mon genre de texte. Fait que je vais l'appeler après avoir appelé ma mère. Oh, ils sont tellement cute là. Pour vrai là, je pourrais les regarder pendant des heures. Juste les regarder genre entre eux. Ah là, elle est réveillée là. Elle a fini de dormir la puce là. T'as-tu fini de dormir, madame? Lui, il a crissement pas fini en tout cas. Lui, il dort très bien. Elle adore plus du tout. Hein? T'as-tu crissement en bas, mon chat? Madame? Elle a la patte sur l'autre. Ils sont trop mignons. Maman qui répond pas, super, je vais appeler Malo d'abord. Je vais faire mon smoothie avant parce que sinon on va rien entendre quand je vais faire marcher mon ça, comment on appelle ça? J'ai un blanc de mémoire. What the hell? Hey, je sais plus comment ça s'appelle, un blender, tabarnak, c'était pas facile. Je vais aussi avoir une bonne vaisselle à faire. J'en ai pas fait depuis comme 2 jours. Pour vrai, avec les chats, j'ai comme arrêté de vivre depuis les 2 derniers jours. Lundi, j'ai comme préparé, ben je vous l'avais vu dans le dernier vlog, là, mais lundi, j'ai vraiment juste comme tout préparé ça, monté l'arbacha, préparé tout ce que je pouvais. Puis hier, c'est d'aller les chercher. Et pour vrai, je les ai regardés comme toute la soirée. J'étais vraiment comme... Je pouvais rien faire d'autre, je me suis pas entraîné. J'ai fait un petit peu de montage hier, mais comme... Je profitais juste du moment avec eux, de les regarder, de jouer avec eux, de les flatter, de les apprivoiser. Fait que là, c'est ça. J'ai pris un petit peu de retard dans les tâches à faire. Fait que moi, clencher ma vaisselle aussi. Tellement curieux des chats, ça fait 1 seconde que j'ai mis la litière là et monsieur est déjà dedans.
j'ai enlevé la petite porte qu'il y avait, qui coulissait, parce que je veux être sûr qu'il y a le dedans, puis je veux pas que, mettons, que la porte les empêche. Je me dis que même s'il y a pas de petite porte, ça va quand même couper les odeurs, d'après moi, là. Bon, tu te fais les griffes là-dessus, toi? Fait que c'est ça. Pour l'instant, je mettrai pas la porte là-dessus. Pour leur donner le temps de s'habituer avec cette litière-là, vu que comme il n'y avait pas de couvert avant, puis je pense pas qu'ils ont déjà eu des couverts non plus. Fait que un changement à la fois. Mais comme je dis, je pense que même pas de porte, ça va très bien faire l'affaire. On est rendu vendredi, donc dernière journée de la semaine. La semaine a tellement passé vite, je trouve. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine parce qu'honnêtement, j'ai pas fait grand chose d'intéressant. Mes soirées se ressemblaient. J'ai chillé avec les chats. Ça a été pas mal ça. Fait que là, ce matin, ils sont vraiment en feu. Ils ont dormi toute la nuit. Ils sont vraiment pas dérangeants la nuit. Je les entends pas. Peut-être qu'ils bougent un petit peu, mais je pense pas qu'ils jouent vraiment. Je pense qu'ils dorment aussi en même temps que moi. Puis, c'est ça, là, ce matin... Ils pètent le feu, vous allez les voir sauter en arrière, là, ils passent sur mon lit, ils courent, ils redescendent, ils vont dans la cuisine, ils passent dans la petite tente bleue qui est là. Puis vivent leur best life, là. Ah ouais, ils vivent leur best life, là. Il est 8h20, je me suis fait mon petit déjeuner, coffee and toast. Fait que là, je vais manger ça rapido et commencer ma journée. J'ai pas encore de gros plans pour ce soir, je vais aller acheter la nourriture pour les chats. Je vais aller chez Mondou parce que dans le fond, l'éleveur m'avait donné deux petits sacs. Je pense qu'elle donne comme un sac par chat quand on s'en va. Mais j'ai quasiment terminé un des sacs. Fait que faut pas que je niaise trop et que j'aille en acheter pour ne pas en manquer. Fait que je vais aller faire ça ce soir. Je pense là, en fin de temps de travailler. Puis là, je vais vous filmer un petit peu les chats parce qu'ils sont trop cute. Ce petit truc là, c'est leur jouet préf. Le petit cylindre comme ça, je le lance là. Puis en tout cas, d'habitude, ils partent après. C'est qu'ils peuvent jouer avec tout seul parce qu'aussitôt qu'ils le touchent, ils partent dans une autre direction. Tout de suite, la canne à pêche, mais pris dans ma roue. Ah, pas du tout pris, elle était juste dessus. La semaine est terminée, il est rendu 5h15, je me suis entraîné, puis là j'ai du contenu à filmer, j'avais oublié, ça presse pas, c'est pas pour tout de suite, là, c'est comme, je pense pour la semaine prochaine ou l'autre, c'est vraiment pas tout de suite, mais je vais quand même filmer ça tout de suite pour être d'avance, j'aime mieux être d'avance que d'être en retard et courir après le temps, fait que c'est une collaboration sur Instagram qui va probablement déjà être là au moment où vous voyez ça, fait que je vais vous mettre en accéléré parce que là j'ai besoin de mon trépied. Pour filmer ça, je filme avec mon sel parce que je trouve que c'est tout le temps plus simple, plus rapide. Ça filme à la verticale aussi. Puis pour vrai, les téléphones sont tellement rendus bons que la qualité est pratiquement la même. Ce que je trouve pratique avec ma caméra, c'est genre le stockage. Fait que c'est plus pour ça. C'est sûr que la qualité est un peu meilleure aussi, mais c'est pas comme si meilleur que ça. Donc, petit outfit, j'ai mis une casquette parce que j'ai lavé mes cheveux. Dans le fond, dans le contrat, j'ai un truc qu'il fallait que je me lave les cheveux.
Fait que là, mes cheveux sont trempés, puis pour les placer, c'est tout le temps ce que je fais. Je les peigne, je mets une casquette par-dessus, ils sèchent comme ça, et c'est vraiment plus facile à placer après. Fait que j'ai mis ben, mon manteau d'hiver, of course, ainsi qu'un foulard, parce qu'il fait genre moins 14. On en revient au froid, ben raide. Puis là, moi, je suis pas sorti de chez nous depuis mardi soir, parce que j'ai entré le travail mercredi, ainsi qu'hier et aujourd'hui. Fait qu'au moins, j'ai pas eu à sortir trop pendant ce froid-là. Mais là, je n'ai pas le choix. Il faut aller chercher de la bouffe au petit chat. Est-ce qu'on va me voir? Pas beaucoup, hein. Peut-être quand je vais ouvrir mes petites lumières. Un peu mieux, c'est pas le best. Il mange tellement dernièrement, là. Au début, il mangeait pas tant, genre comme les premières journées, parce que j'imagine qu'il était plus stressé, il était moins à l'aise et tout le tralala. Mais comme là, je leur ai rempli le plat, je pense, hier soir, mais peut-être pas plein à 100% là, mais comme il y en a pas mal. Puis ils l'ont vidé aujourd'hui, ben comme dans la nuit et aujourd'hui. Comme là, il était rendu vide ce soir. Fait que ça bouffe. Clairement que Louis mange plus que Juliette. Juliette, je l'ai vu manger quelques fois. Louis, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en train de manger. Vraiment là, c'est un bon crisse de porc. Puis au niveau de la bouffe, l'éleveur a donné la Royal Canin, qui est pas donnée. C'est la bouffe la plus chère que je pense que je vais continuer jusqu'à temps qu'il y ait un an. C'est comme la durée qu'on donne la bouffe chaton. Puis après ça, je pense que je vais comme peut-être changer pour une marque un peu moins chère. Je peux aller tout droit. Ah non, faut tourner ici. Mais qui va quand même être de la bouffe de vétérinaire. Je veux pas comme leur donner de la scrap, genre bouffe d'épicerie non plus. Tu sais, on pousse, mais on pousse égal. Je me dis que il y a plein de marques, là, genre la Hill Science Diet du vétérinaire que ma mère, c'est ce qu'elle donne à ses chats présentement. Puis je pense que Malo, me semble, m'a dit que c'est ce qu'elle donnait aussi. Puis c'est ça, il en vend dans les cliniques vétérinaires. Fait que je me dis que rendu là, ça peut pas être mauvais si les vétérinaires en vendent. Hein? On s'entend. Puis elle est quand même pas mal moins chère que la Royal Canin. Fait que peut-être que je switcherai rendu là. Fait que je m'en vais chez Mondou. J'avais appelé avant pour savoir s'il l'avait en stock. Parce que sur le site, ça disait quantité limitée pour le magasin que je m'en vais. Alors que pour d'autres, ça disait quantité disponible. Fait que là, j'étais comme limité. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a ou est-ce que ça veut dire qu'il y en a pas? Fait que j'ai appelé et il l'avait.